médiane d'une série statistique avec la méthode des effectifs cumulés croissants lorsque la série comporte des effectifs trop nombreux pour ordonner à la main l'ensemble des valeurs de ma série. La méthode, lorsqu'on a une valeur avec un effectif donc trop important, si la liste des n valeurs d'une série est rangée par ordre croissant et chacune de ces valeurs-là figurant un nombre de fois égal à son effectif, alors une des stratégies consiste à apprendre cette partie du cours qui dit que si mon effectif total est impair, alors la médiane est la valeur du caractère de rang n plus 1 sur 2. Et si n, mon effectif total, est pair, alors on prend pour médiane la moyenne des deux valeurs de rang n sur 2 et n sur 2 plus 1. On va essayer de voir, au moins dans une situation, l'application de cette stratégie-là. On me donne ici la taille de saumon pêché dans une rivière. Donc on a ici les longueurs, les différentes valeurs de mon caractère qui vont de 91 à 104 avec les effectifs correspondants en dessous, 8, 18, etc. Et on voudrait connaître la taille médiane des saumons que nous avons pêchés. On se rend compte ici que l'effectif est trop important pour classer à la main, comme nous pouvons le faire dans des petites séries à faible effectif, et déterminer la médiane facilement. Ici, il faut procéder autrement. La stratégie ici va consister à faire apparaître la ligne des effectifs cumulés croissants. On a déjà vu comment on a calculé. On part de 8 avec la première valeur et on ajoute à chaque fois 8 plus 18, 26, plus 11, 37, plus 14, 51, plus 8, 59, etc. Je vous rappelle que la ligne des effectifs cumulés croissants veut dire que 26 saumons ont une taille inférieure ou égale à 94 cm, 37 saumons ont une taille inférieure ou égale à 96 cm, 51 ont une taille inférieure ou égale à 97 cm, etc. Et là, il va y avoir un lien avec ma médiane. Au total, il y a 83 valeurs. La dernière valeur de ma ligne des effectifs cumulés croissants me donne l'effectif total de ma série. Il y a donc 83 valeurs, qui est donc un effectif impair. Je suis donc dans le premier cas de mon cours, avec un n qui est impair. Je calcule n plus 1, qui devient donc pair, qui vaut 84. Et le cours me dit que la médiane est là, n plus 1e sur 2, donc 42e valeur de ma série classée. Je cherche maintenant la 42e valeur, et dans mon tableau des effectifs cumulés, je regarde à quel moment je dépasse 42. Les 37 premiers plus petits saumons qui ont été pêchés ont une taille inférieure ou égale à 96. Le 38e saumon a donc une taille de 97 cm jusqu'au 51e. Donc le 42e, eh bien, ici là, avec 97 cm, on peut donc conclure que la médiane est de 97 et donc que la taille médiane des saumons pêchés est de 97 cm. Voilà. Application, on mesure là des envergures de papillons femelles, on est très nature et découverte, et on donne les résultats sous cette forme. Envergure en millimètres, de 73 à 83, et la fréquence correspondante. On veut déterminer l'envergure médiane de ces papillons. De la même façon que tout à l'heure, nous allons calculer les fréquences cumulées croissantes, 0,04, 0,12, etc. De la même façon, en ajoutant 0,04 et 0,8, 0,12, pour arriver à la fin jusqu'à 1, c'est logique, c'est-à-dire qu'il y a 100% des papillons qui ont une envergure inférieure ou égale à 83 mm. On cherche la médiane. La médiane, on cherche à quel moment, en fait, les FCC vont dépasser les 50%. Une médiane étant la valeur qui va séparer ma série en deux sous-séries de même effectif, on cherche à quel moment on dépasse 50%. On voit que 49%, fréquence 0,49, 49% des papillons ont une envergure de 77 mm ou moins, et donc je ne suis pas encore complètement à la moitié. Pour arriver à 0,5, il va falloir être à 78. Donc l'envergure médiane de mes papillons femelles sera donc de 78 mm. Je cherche à quel moment je dépassais les 0,5, de justesse sans doute, mais 78 mm, et on peut conclure que la taille médiane, l'envergure médiane des papillons femelles est de 78 mm.